Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo vraiment spéciale où on va voir les 15 phrases incroyables, assez inconnues ou presque des footballeurs, vraiment des phrases très drôles et vraiment incroyables sorties par des entraîneurs, par des footballeurs, des anciens footballeurs, des présidents, etc. Donc je vais vous en présenter 15 et avant de commencer, je voudrais bien sûr vous remercier pour les 100 abonnés. Donc merci beaucoup et bonne vidéo. Si je devais me noter sur 10, je me mettrai 11. José Mourinho. Si on perd, on va pas non plus se mettre des saucisses de Strasbourg dans le cul. Louis Nicolas. Est-ce que Tottenham a réduit l'écart avec nous? La dernière fois que j'ai vérifié, ils étaient toujours à 6 km et 11 titres de nous. Arsène Wenger. Nous jouons la Ligue des Champions alors que les Stéphanois la disputent sur PlayStation. Jean-Michel Aulas. Je crois que Raymond Domenech est l'entraîneur le plus nul depuis Louis XVI, Eric Cantona. Il n'y a pas de milieu où tu es mauvais ou tu es bon. Nous, on a été moyens. Gary Lineker. À mon époque, stopper, on savait ce que ça voulait dire. Si l'attaquant sortait du terrain pour aller pisser, on le suivait. Christian Lopez. Quand je marque un but, je ne fais pas la fête car c'est mon métier. T'as déjà vu un facteur sauter de joie quand il a livré le courrier? Mario Balotelli. C'est beau ce stade Vélodrome qui est toujours plein à domicile, comme à l'extérieur. Franck Ribéry. Les Allemands n'avaient qu'un joueur de moins de 22 ans, et il avait 23 ans, Kevin Keegan. Les 90 premières minutes d'un match sont les plus importantes, Bobby Robson. Il y a toujours un gardien ou un adversaire pour nous empêcher de marquer, Laurent Blanc. Je ne dis pas que je suis le meilleur manager dans le milieu, mais j'étais dans le top 1, Brian Koch. Nous avions une bonne équipe et nous étions favoris sur le papier. Malheureusement, le match s'est joué sur le gazon, Brian Koch. La clé du match est que c'est l'équipe qui marquera le plus de buts qui gagnera, Michel Platini.